enfants venir voir. Alors, j'ai pas vidé ma mémoire. Mais bonsoir à eux tous. Bonsoir à mon coach Steven, le coach de notre P3 qui est venu aujourd'hui, étant donné que ces groupes se mélangent souvent. Essayer de travailler avec le jeune qu'il aura à sa charge dans l'une des catégories plus tard, qu'il a déjà à charge maintenant déjà, parce qu'il y a un peu nos jeunes de I-19 qui, des fois même I-17, qui sont allés faire un tour chez lui pour aider. Donc il est déjà en contact avec ces enfants-là et il continue à être en contact avec eux ici parce qu'il a apporté son groupe et les a mélangés. C'est vraiment ça. J'avais oublié que j'avais besoin de la place. Vraiment besoin pour tout ça, pour mes souvenirs. Mais bonsoir à vous les grands. On prendra le temps qu'on prendra et c'est suffisant pour nous. Alors, pour avancer notre histoire, comme on dit souvent. Bonsoir à mes U14 aussi. On va revenir, on va essayer d'abord de prendre vos frères qui sont de l'autre côté. Et nous revenons. C'est dommage qu'on n'arrive pas toujours à tout prévoir dans la vie. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, bonsoir à vous, mes chers enfants, et à votre formateur. J'en profite pour voir un peu nos 19 et notre P3 mélangé et nos jeunes pousses des I-17 aussi qui sont avec eux. C'est vraiment sur ces points-là qu'on est là pour voir ces jeunes-là se mélanger comme ça, avoir ces contacts pour pouvoir les continuer vraiment dans la vie. C'est ici que partent tous les joueurs de football à travers le monde. Si on se connaît ici, on se connaît un peu partout. Parce que tu vas rencontrer ces joueurs que tu as joué avec ici en Belgique, au nord du Maroc, en Allemagne, de l'Afrique, dans le centre de l'Afrique, dans le nord de l'Europe, puisqu'on est de toute nationalité. Alors on devient forcément citoyen du monde très vite avec le football. Une bonne école, vraiment, le football. Restez dessus. Ça nous apprend beaucoup de choses. Merci à vous. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment un temps propice à jouer au football par rapport au temps qu'on a eu. C'était trois derniers jours où tout était vraiment lui, vent, tout se mélange. Ça c'est vraiment la meilleure des choses. Un temps qu'il faut, pas beaucoup de vent, et on bouge et on a le temps de jouer. Vraiment. Let's go.
Dieu. Ah mon Dieu. Oh mon Dieu. Et oui, les grands, oh oui. C'est maintenant. Ah. C'est pas grave, hein. Juste écouter, on va les rectifier. Comme on dit, notre matrice tourne toujours dans le même sens à chaque fois. On fait, on recommence, on fait, on recommence, on fait, on recommence. C'est ça les pouvoirs du football. Il n'y a pas d'autres excuses que ça. Savoir répéter les choses, aller chercher à répéter. Bien. Ça va, mon... Voilà. Mon fils. C'est comme ça. Quand la famille est grande, football. J'étais resté un peu sur un exercice. Voilà. On va suivre un peu avant de passer de l'autre côté. On en profite quand même. Savoir. Lumière, neige. Ma technique, c'est vraiment les gammes, des dribbles, des conduites, des balles qui sont importantes ici, vraiment. Essayer de soigner puisque on aura toujours un homme qui ressemblera à ces plots là à un certain moment sur le terrain. Alors si on s'applique ici, on essaie de les chercher comme il faut, à ce moment là il peut être aussi balèze qu'il veut, la balle roulera pour toi. Il faut savoir toujours la faire rouler, c'est le secret. Il faut qu'on roule, il faut s'appliquer, il faut aller chercher.
personne qui se montre devant toi. C'est spécialement bon. C'est une répétition des choses qui est dans l'ordre naturel. Quand on répète, on répète, on répète, on finit par devenir expert. On travaille vraiment de synchronisation de beaucoup de choses. S'ils arrivent à se synchroniser, se voir, les appels, les appelants et le donneur. Les rôles vont être distribués à chacun. Essayons de suivre. Puis on revient chez nos jeunes. C'est vraiment. C'est important, c'est trois classes qui se suivent, qui vont exécuter vraiment le même travail en même temps. Il serait vraiment intéressant de voir ça, parce que ça sera qu'on voit le suivi qu'il y a entre catégories. Si le jeune arrive à rentrer facilement d'une catégorie à une autre, de temps en temps, c'est signe qu'il y a un lien entre les catégories. On va les laisser. On va les laisser continuer d'abord à nous expliquer par leurs gestes, par leurs implications, le travail d'aujourd'hui. Parce qu'on n'a toujours pas ni par ce qui se passe de l'autre côté en attendant. Dès que tout le monde a compris. Voilà. Là on va en profiter pour bien saisir.
transmettre bien. On essaye de voir, d'avoir un petit peu d'exemple, parce qu'on comprend mieux le football par les exemples, par ce qui s'y passe. Un peu un pressing. Comment presser ensemble? Parce que le but c'est ça, attraper la balle. Si on veut l'attraper, on doit vraiment avoir notre balle dans une toile où on peut facilement l'attraper. Donc, on doit se coordonner. Les trois qui chassent doivent être vraiment en lien. Et des autres qui coupent vraiment la ligne dépasse, parce que le but c'est ça. Si notre ligne dépasse est bien coupée, c'est à ce moment là qu'on récupère la balle. Voilà, il a failli l'avoir. Donc ça tourne, on vient ici. Comme ils sont plus près, on va mieux voir comment ils vont. Là, ils sont encore dissociés. Oh, il a failli. Ça en fait. Rester à 3 et les deux qui peuvent éventuellement récupérer la balle plus facilement. Un pressing, il doit être toujours coordonné par les liens. Des trois têtes des triangles qui forment cette défense doivent vraiment être coordonnés pour arriver à soutirer la balle. Oh, voilà, là vous l'avez eu. À soutirer la balle aux personnes qui l'ont. Il y a des bons conseils partout. Il faut juste être au bon endroit quand ça se déroule. À ce moment-là, c'est dur à être partout au même moment. Pas mal, c'est s'ils comprennent vraiment que ça doit vraiment marcher comme ça, on embrouille les cartes à ce moment-là, parce que tout le monde est en mouvement. C'est ça qui nous manque des fois, des mouvements comme ça, qui compliquent un peu. On a des marquages, des fois on connaît les joueurs, on fait des marquages assez personnels, mais en bougeant comme ça. Voilà, en bougeant comme ça, on brouille un peu les cartes et le poursuivant ne sait pas sur qui on joue. Puisque systématiquement, si vous avez les mêmes courses et que l'adversaire les connaisse, c'est fini, vous êtes dans une toile. Donc tout le monde jouera avec vous, contre vous, de la même façon. Voilà.
Appliquez-vous, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Ce truc-là est très bon à faire quand on le fait bien et qu'on sait brouiller ses cartes. C'est vraiment très 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 bon à savoir. On manquera pas de solution au football à ce moment-là.